Tu me mets ça tout de suite et tu reviens rapidement. Combien? Mais donne l'argent et donne ça, donne le papier, c'est tout. Je 5000 francs. Tout. Et tu reviens tout de suite. On va gagner. Je n'ai pas mon pain. Rapidement, hein. Ouais. Ah, dans ce pays. Mais ce n'est pas possible. Hein? On a encore braqué ce Zemi Diamant là. Zila. Chérie. Viens. On dit quoi encore? Mais on a braqué un Zemi Diamant à côté là. Et il est mort? Non, il est à l'hôpital. Mais la moto. Mais on a pris la moto. Oh, les gens là. Avec cette sécurité, ils continuent à voler. Et les braqueurs, ils sont toujours là. Oh. On parle de sécurité. Mais jusqu'alors, tu vois, on braque toujours les gens. Oh. Vous parlez de quoi? Non, on parle de Zemi Diamant. Vous parlez de sécurité, l'armée. Qu'est-ce que l'armée vous a encore fait ce matin? Non, là, c'est un Zemi Diamant qu'on a braqué. Mm-hmm. Et c'est ça qu'on dit. Vous dites que l'armée ne fait rien. Non, on n'a pas parlé de l'armée là. J'appelle le camp. Non, faut pas faire ça. Ah, pardon. On va régler ça avec. Pardon. Tu es le propriétaire de cette maison. Oui. Et tu parles ainsi. Qu'est-ce que les autres locataires vont faire? Vous pensez que c'est l'armée qui peut assumer tout ce qui se passe ici comme sécurité? Vous êtes là, vous aussi, vous êtes comme armée. Madame Massi. Oui. Nous sommes loin de toi. Si tu parles de ces choses, c'est comme tu peux gâter notre blond. Pardon là. C'est pas ça. Monsieur, ce que je vous dis, même aux États-Unis, il y a les mafias là-bas. Oh. Aux États-Unis, on passe à la télévision, il y a les gens qui tirent sur la sécurité. En France, on est partout. Et vous parlez dans ce pays comme si l'armée ne fait rien. On n'a pas parlé de l'armée. Vous insultez l'armée. Vous pensez que l'armée c'est de la loi où tout le monde peut aller et venir. Comme c'est impur, on peut mettre le son. Tu sais, on prend le son. Ce n'est pas ça là. Je regrette vraiment. Oh, on regrette d'être votre locataire. J'ai dit, pourquoi vous aimez chercher là où on ne doit pas chercher? Monsieur, pardon. Vous êtes en état d'arrestation. Monsieur, pardon. Vous avez insulté l'armée. Et d'abord, quand vous insultez l'armée, ce n'est pas une petite affaire. D'abord, vous avez insulté notre caporal. Ce n'est pas ça là. Vous insultez l'armée, que l'armée ne fait rien, donc c'est le caporal que vous avez insulté. Après le caporal, ce n'est pas grave. Quand tu insultes le caporal, ce n'est pas du tout grave. Mais vous avez insulté notre sergent de compagnie. Donc, c'est que vous allez encore un peu à haut. C'est la bonne. Bon, il faut les encadrer. Oh, monsieur, pardon. Là-bas, c'est un peu grave. C'est pas où vous avez encore insulté notre adjudant. Tu montes la crabe. Après avoir insulté l'adjudant, vous avez insulté. Il n'arrête pas là-bas. Vous continuez. Monsieur. Pardon. Vous continuez. Je peux pas. Vous pensez que les formations que nous avons subies là, c'est pourquoi? Monsieur, pardon. Je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'on va te faire. Pardon, monsieur. J'ai dit, après avoir insulté notre adjudant, vous avez insulté le commandant. Il a cherché le grave. Parce que notre ami qui nous a beaucoup entraîné dans l'armée, c'est le commandant. Et puis après lui, vous êtes parti insulter le chef d'état-major. Vous l'avez insulté indirectement. C'est grave. Mais le plus grave que vous avez fait, que vous avez insulté, comme vous insultez l'armée, vous avez insulté le chef suprême des armées. C'est fini. C'est un preuve palpable. C'est ça, vous faites, vous nous donnez l'argent. Après, vous avez dit que l'armée
l'argent. Et quand on prend, vous dites, prenez, prenez. Quand on prend, vous parlez. Vous parlez quoi, c'est nous. La mettre devant de l'argent. Si on a pris votre dollar, c'est fini. Pardon, pardon. Là, c'est un problème pour nous. Un problème, on veut que dans le temps, non, non, pardon. Monsieur, vous avez cherché là. On va arroser au camp. Non, non, venez là, venez, venez, on va parler, on va comprendre. Non, on va se comprendre. Pardon, pardon, c'est pardon. Quand tu peux, pardon, pardon. Ça veut dire que c'est pardon. Non, ce qu'on va faire, hein, ce qu'on va faire, comme vous êtes locataire ici, hein, je vais vous laisser la chambre pour un an. Gratuitement. Tu parles ça dans la bouche. Oh, non là, c'est vrai là. C'est ma maison. C'est ma maison. Tu vas faire le reconnaissance de louage. De louage. Je soussignais. Je reconnais. Je soussignais ton nom. Je soussignais. Je soussignais. Ton nom. Je soussignais. Kodjogan. Je soussignais Kodjogan. Reconnais. Reconnais. Avoir. Avoir loué, loué contre l'infraction, contre l'infraction d'insulte, ouais. Contre l'infraction d'insulte de l'armée, de l'armée, de l'armée, ouais. Ma chambre, ma chambre, un an renouvelable pour un an renouvelable, ouais. Renouvelable, il faut écrire renouvelable avec grand N, ouais. Un an renouvelable, oh, bon, ouais. C'est fini, donc, il faut signer, il faut signer d'abord, c'est qui nous donne, ouais, mais donne. Oui. C'est bon. Oh. Bon, là, on peut vous laisser un peu tranquille. Oh. Donc, nous, on sort un peu. Merci beaucoup. On va sortir un peu. Merci. Mais bien, vous, parce que ce que la me fait c'est pour dans vous. Ce pays, c'est oh. Pour vous. Merci beaucoup. Hein. Et il ne faut pas que vous cherchiez les problèmes. Oui, merci. Là, oh. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, merci beaucoup. Hein. Les enfants sont peut-être à l'école. Kodoga, Kodoga, ma chérie. Mais il y a quoi encore? Il y a quoi? Non, ça dit. J'ai noué l'argent au bout de mon foulard. Ah, il m'a envoyé l'argent pour la tontine. Et maintenant, je ne le retrouve plus. Pourquoi tu accuses des gens comme ça, ma? Comment tu viens, tu m'accuses que c'est... Non, je t'accuse pas, mais les enfants sont partis à l'école, ils sont pas là. Et je ne retrouve pas l'argent. On est deux seulement dans la maison. Je n'ai pas pris 1000 francs. Je n'ai pas pris 1000 francs. Mais comment tu as su que c'est 1000 francs que j'ai noué? Comment tu as su que c'est 1000 francs qui est dedans? Mais ce foulard, c'est un foulard qui peut prendre seulement 1000 francs. Comment tu peux me dire ça là? Oh, Kodjoga. Toi, tu n'as pas changé de comportement? Tu veux que tu viens avec ça? Oh, Kodjoga. Les gens sont dans cette maison. Ne me crée pas de problème. Comment tu fais de problème? Je n'ai pas pris 1000 francs. Je ne veux pas de problème, hein. Depuis qu'on s'est marié là, le fait que tu fais ça jusqu'à on a vieilli avec. Tu vois, les enfants grandissent, hein. Faut pas donner un mauvais exemple aux enfants. Tu as compris? Je n'ai pas pris. Je n'ai pas pris, je n'ai pas pris. C'est fini. Hey, Kodoga! Oh. Tu m'étonnes. Hey. Tu n'as rien pour le voir. On est deux seulement dans la maison. Il y a plus, les enfants sont partis, ils ne sont pas là. Tu recommences. Il n'y a personne. Tu recommences encore. Je ne veux pas ça. Donc les enfants sont volatilisés comme ça. Mon agent. Viens, hein? On va chercher. Viens, on va chercher. Viens, viens, on va chercher. Viens dans la chambre, on va chercher. Ce n'est pas 1000 francs, ça. Ce n'est pas 1000 francs, ça. Kodoga. Ce n'est pas 1000 francs. Comment 1000 francs, qu'est-ce qu'il y a dans la poche? Moi, je vérifiais les choses. Je vérifiais seulement les choses dans la chambre. Non, sors, sors, sors. Sors, 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 voleur. Oh, regarde ça. Chien. Hé, responsable, ça. Chien. Toi, là, vraiment. Hé. Je ne sais pas où cacher mon argent.